Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter le problème de la mise en page, orientation de la page. Donc, parfois, dans un document, je vais mettre quelques pages en orientation paysage et d'autres en orientation portrait. Donc, si on a un document qui contient plusieurs pages, par exemple, ici j'ai un document d'une seule page, donc je vais insérer d'autres pages. Donc voilà, maintenant j'ai un document qui contient 12 pages. Donc je vais revenir à la première page. Voilà, cette page de la première page, je veux la mettre en paysage. Par contre, les autres, je vais les mettre en portrait. Donc voilà. Donc la première page, si je veux mettre seulement la première page en paysage, donc je dois d'abord cliquer sur mise en page, donc saut de page et page suivante. Dans la première page, donc si donc ici j'ai des pages différentes. Donc en ce qui concerne la section. Donc regardez ici, donc on a en tête section 1, section 2. Toutes les autres pages appartiennent à la section 2. Par contre, la première page, elle appartient à la section 1. Donc je peux orienter la première page, donc orientation. Donc vous voyez que seulement la section 1, ça veut dire la page qui appartient à la section 1, qui est orientée en paysage. Par contre, les autres pages sont orientées en portrait. La même chose, si je veux par exemple appliquer les bordures, donc je vais choisir une bordure et là je choisis appliquer à cette section. Comme ça, je peux appliquer les bordures seulement à la première page et pas aux autres. Maintenant, si je veux avoir, je suis dans cette page, je veux cette page aussi en paysage. Donc, il faut ici insérer un saut de page, page suivante, comme ça. Si je clique en dessous, donc ici section 2. Donc toutes les pages qui appartiennent aux sections 2, donc ils vont subir la même orientation de page. Donc si je veux seulement cette page, donc je dois cliquer ici et mettre ici ou ici par exemple. Mise en page, saut de page. Comme ça, section 2, section 3, section 4. Donc celle-là reste appartient à une section différente des autres. Donc cette page, je peux la mettre à n'importe quelle orientation. Voilà. La même chose pour les bordures. Pardon, j'ai oublié de choisir appliquer à pas à ce document, mais à cette section. J'ai pas choisi de bordure, pardon. Et voilà. Vous voyez que je peux appliquer l'orientation de page à n'importe quelle page dans mon document. Et la même chose pour les bordures de page. Donc, je m'arrête ici dans cette vidéo. Donc, à la prochaine et au revoir.